L'infertilité est une affection du système reproducteur féminin ou masculin, définie par l'impossibilité d'obtenir une grossesse au bout de 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. La baisse de la fertilité peut être due à un problème féminin ou masculin, ou les deux. Ces trois causes représentent environ 30% des patients. Les 10% restants concernent les infertilités inexpliquées. Un couple sur 7 sera touché par une baisse de la fertilité au cours de sa vie. Il existe des facteurs de risque connus comme les toxiques, le tabac, le cannabis, également les perturbateurs endocriniens. Il peut y avoir aussi le surpoids ou même le sous-poids et aussi l'âge des parents. On sait que l'âge de la femme est un facteur important dans un contexte d'infertilité. Peu de femmes le savent, mais avec le décalage de l'âge de la première grossesse en France, on est confronté à davantage d'infertilité. Après 35 ans, la fertilité de la femme diminue et encore davantage après 40 ans. Il peut exister des prédispositions génétiques, mais celles-ci sont relativement rares. Dans un premier temps, le couple peut s'adresser à son médecin généraliste ou bien à son gynécologue ou à sa sage-femme. Dans un second temps, il pourra être adressé à un centre de référence d'AMP de son secteur. Les premiers bilans pourront donc être réalisés et ils pourront amener les résultats au médecin du service.